Voilà, synchronisation cam. Eh ben, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein, je suis accompagné de Marie qui se trouve derrière moi. Voilà. Donc nous sommes à la maison de la secte. C'est une maison où il y avait une secte. Il y a eu de nombreux pendus, des morts. Une histoire assez glauque. Marie vous expliquera après. Donc je vais vous montrer les bâtiments et je vous reprends après les amis. Voilà les bâtiments. Oui, je veux bien parce que j'ai mes infrarouges qui viennent de s'éteindre. Je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, donc ici, nous sommes à l'extérieur. Je vais aller vous montrer. On a vu en arrivant, on a eu confirmation par un contact que Marie connaît bien que ces cordes ont bien servi apparemment, aurait servi à des fins mortelles. C'est ça, hein, Marie? Oui. Maintenant, si tu veux nous en parler un petit peu. La maison a été abandonnée il y a quand même quelques années, début 2000, voire mi-2000 au maximum. La secte abritait plusieurs personnes, hommes, femmes, et les femmes devaient assouvir les besoins des hommes. Si c'était refusé, ben, il y avait des sentences. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de décès apparemment, il y a eu des sacrifices humains, il y a eu des pendus. Et il y a eu un peu de tout quoi. Donc voilà, c'est une secte chinoise à la base. Et les écritures montrent le contraire, ce serait géorgien, mais voilà, on ne comprend pas trop. Donc voilà. T'entends? Oui. Donc voilà. C'était que la petite frappe à son chien.
Ouais, peut-être Voilà, bien, c'est ouais. fait. Ben, les amis, on va rentrer à l'intérieur pour commencer l'enquête. J'espère qu'on aura des résultats, qu'on aura des réponses. Je vous reprends après, les amis. À tout de suite. Voilà. Synchronisation face cam 2. Et ben voilà, les amis, nous sommes rentrer dans la maison. Je vais vous montrer notre petit QG. Donc voilà, nous sommes dans la pièce principale, je vais dire. Hein, Marie, la Oui. pièce principale. Là, vous avez, je sais pas moi, c'était à l'entrée du gourou, je suppose. C'est là où Ah, il les... faisait son entrée par là, je suppose. Ben, oui, c'était où se passaient les... Allez. Oh, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, les recueillements et tout ça. Les recueillements, oui. Les prières. Voilà. Alors ici, vous avez le petit podium, hein, le petit où il faisait ses speeches. Là, c'est le fameux meuble d'où la personne comment? RPP. RPP paranormal s'est fait griffer. Donc voilà. Alors je vais vous montrer derrière quand même. Hop. Voilà. Donc ici on est derrière Quand j'ai mis des bougies comme le vous petit avez fait, podium. Voilà. c'est ça. Encore un support. Les prières, merci la Voilà. prière. Aujourd'hui, mais moi, ne surtout pas. Alors. Donc voilà. Maintenant, on va sortir de là. On a mis 4 heures de mouvement. Voilà. Alors, question Ici, matérielle. oh, Nous avons mis un capteur ici. Si vous passez, paf, il s'allume. Alors, on a mis des petites bougies un petit peu partout. il y a un autre capteur ici qui est Voilà. allumé parce que mon collègue est passé devant. Nous avons une petite boule, une petite balle, si jamais une Une entité boule. déciderait pour la faire tomber. Et C'est une boule alors, de golf, hein, donc dans l'autre petite pièce, voilà, il marche. Là, on a aussi un détecteur au sol. Voilà, si quelqu'un passe devant, il est pris. Ici, le détecteur, il restera allumé. Alors voilà, je suis dans la pièce, dans une autre pièce. Et alors, apparemment, ici, je suis complètement dans le noir. Là, vous avez un pod. Si quelqu'un s'en approche, il pourra le faire sonner. Donc voilà. C'est dans la pièce où il y a le beau costume, qui est nickel. À se demander comment se fait-il qu'il y ait un costume comme ça dans la pièce. Là, vous avez une vitrine avec des trucs de senteur, je ne sais pas tout quoi. Et alors là, vous avez le fameux pot que si quelqu'un s'en approche, voilà, il se mettra en route. Donc, il n'est pas en contact. Le pod n'est pas en contact avec le sol. Donc, il n'est pas possible que le pod se mette en route à cause du Voilà. sol. Je viens d'entendre un bruit. C'est moi qui étais contre le fil qui est par terre. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, ceci, c'est pour l'étage. Pour le rez-de-chaussée, ça va être un petit peu compliqué de mettre du matériel parce que pour la bonne et simple raison que il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs entrées Ça va pour avoir aller pour accès aller à l'extérieur. pour aller C'est pour cela que on va rester à l'étage. D'ailleurs, apparemment, c'est à l'étage qu'il se passerait des choses. Donc, on ira quand même faire un petit tour au rez-de-chaussée pour vous montrer
les pièces, mais vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait en live pour le repérage de jour. Voilà. Donc maintenant on va se présenter, Marie. Bonjour, je m'appelle Fifi. Nous sommes venus ici pour essayer d'avoir des ressentis. Apparemment, il y aura encore des entités dans ces lieux, dont une jeune fille qui voudrait partir de ces lieux, mais apparemment, il y aurait une entité négative qui empêcherait cette personne. De partir. Donc, je ne vous le cache pas, on n'est pas ici, hein, vous êtes chez vous, ça, on en est super conscient, mais vous ne pouvez pas non plus retenir quelqu'un contre son gré. Donc, je ne vous le cache pas, après avoir fait l'enquête, nous allons passer dans toutes les pièces avec de la sauge, hein, et faire un petit rituel pour que la jeune femme puisse partir dans la lumière, là où normalement elle doit aller. Donc voilà, on n'a pas peur de vous. Vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, mais vous n'y arriverez pas. Donc voilà. Et entre autre, excuse-moi. Vas-y. J'aimerais préciser aussi que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf nous toucher. Voilà. Il y a du matériel, il y a assez de matériel ici qui a été laissé dans de différentes pièces avec lesquelles vous pouvez interagir. Donc, vous pouvez les utiliser pour montrer que vous êtes là, mais en aucun cas, vous ne touchez aucun des deux. Vous êtes sympa avec nous, on est sympa avec vous. Voilà, tout à fait. Donc vous avez à votre disposition du matériel. Vous pouvez passer devant les détecteurs, les lumières s'allumeront. Vous avez également à votre disposition un pod dans la pièce où il y aurait effectivement une entité qui s'y trouverait, l'entité négative, le gourou, donc le fameux gourou. Si vous voulez toucher l'antenne pour vous montrer, pour montrer que vous êtes bien là. Donc, n'hésitez pas, c'est inoffensif. Nous, on n'est pas là pour vous faire du mal. Donc, n'hésitez pas. Il y aura également un appareil qui s'appelle une Spirit Box. Donc, il y a une semaine d'ici. Vous connaissez sûrement Marie, ils sont venus à beaucoup de personnes. D'ailleurs, avec la radio. Comment ça s'appelle? Ouais, avec Fun Radio. Bon, maintenant, je comprends, ils étaient quand même assez nombreux. Je comprendrais que je le savais bien qu'ils n'auraient pas eu beaucoup de résultats, parce que plus on est, et plus il y a une pollution sonore, et voilà, donc c'est pas évident. Donc ici, maintenant, je vous invite à nous montrer votre présence. Comment? En faisant du bruit, taper dans une porte, dans un mur, c'est un mur en brique, vous allez vous faire mal les mains, ou alors fermer une porte. Là, j'ai une porte ici devant moi. Si vous avez assez d'énergie, essayez de fermer la porte. Ou prenez de l'énergie dans les batteries. Uniquement dans les batteries. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, j'espère qu'on va rester une petite heure, une heure et demie en votre compagnie. J'espère que tout se passera bien pour nous. Et alors, voilà. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ben moi, j'ai demandé qu'on ne nous touche surtout
surtout pas. Voilà. Et voilà, il y a assez de matériel pour faire Interagir. comprendre votre présence. On n'est en aucun cas ici pour vous faire du mal, bien au contraire. Donc voilà, si vous voulez nous montrer ou nous faire entendre en tout cas que vous êtes présent, on vous laisse le libre arbitre de choisir. Regardez bien, les amis, ce petit voile blanc qui se dirige vers Marie. Est-ce un phénomène paranormal ou autre chose? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci à vous, les amis. On continue l'enquête. Le matériel avec lequel vous voulez interagir. Donc voilà. Donc j'espère que maintenant vous êtes au courant de ce qu'on veut. Donc j'espère que tout se passera bien. Et je dois vous dire que vous avez une très belle maison. Très Hein? belle, très jolie Une maison. très jolie maison. J'espère qu'elle restera dans l'état où elle est. Parce que c'est rare, en 2 ans d'enquête, qu'on trouve encore Des lieux comme ça, des parce que ce n'est lieux, pas voilà abîmé. quoi. La maison n'est pas abîmée, tout est toujours là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, l'adresse de votre maison restera Secrète. secrète. Donc c'est pas nous qui allons divulguer l'adresse pour que la maison soit toute bombardée comme beaucoup d'endroits. Donc voilà. Maintenant je vous invite, si il y a encore entité dans ces lieux, est-ce que vous pourriez soit parler dans mes micros de mes caméras ou éventuellement taper dans un mur ou taper ou faire un bruit dans une porte ou même fermer la porte. Merci. Je vais me rapprocher de la pièce où apparemment vous seriez. Est-ce que vous pourriez faire du bruit? Ou faire bouger votre veste? Faites bouger votre veste, votre cravate, s'il vous plaît. J'ai déjà une barre de ma batterie qui est partie. Et ben voilà. Faites bouger la veste. S'il vous plaît, n'ayez pas peur, on n'est pas ici pour vous embêter. Et nous ne sommes pas des chasseurs de fantômes, au contraire. Nous sommes ici pour comprendre s'il y a réellement quelque chose après la mort. Et pourquoi vous êtes encore présent dans ces lieux. Faites bouger la veste, s'il vous plaît. Ou toucher le pod, la petite antenne qui se trouve sur le transit, le transat. Ouais, non, la transit, non, le transat. Elle est née, pas peur. Où ça, ma natte? Allez, touchez-le. Si vous savez retenir une jeune fille ici, vous sauriez toucher le pod. Touchez la petite antenne, c'est inoffensif. Allez, monsieur le gourou. Vous avez fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes.
toucher l'antenne. De quoi? Ah oui. Nathalie, elle disait qu'il y a une mèche de cheveux devant la vitrine par terre. Ouais, elle y est toujours, ma natte. C'est ça? Ça, c'est quand tu fais des trucs, tu vois, des... Oh là là. Des séants, hein? Des rituels et tout Des ça. rituels et tout ça, il faut des mèches de cheveux. Ouais, voilà. Il y est Là-bas, toujours. une mèche de cheveux. Oui, Céline. Bon, ben apparemment, vous n'avez pas envie. Mais écoutez, on va vous laisser. Faites. Ce sont les trophées de viol commis par le gourou. C'est quoi, tu dis? Nathalie, mais ce sont les trophées des viols commis par le gourou. Ah bon? Avez vu? Une mèche de cheveux. Enfin, une mèche. Ouais, une mèche. Moi, je dirais plutôt une touffe. Enfin, soit. Eh ben, monsieur le gourou, c'était facile de faire du mal, hein, aux personnes. Mais apparemment, maintenant, c'est fini tout ça. Touchez le pote, le pod, si c'est bien vous qui avez fait du mal aux gens dans votre secte. Allez. N'ayez pas peur. Parce que peur, vous n'avez sûrement pas peur. Et comme vous voyez, nous non plus. Et tu vois qu'on sera parti ou quoi, qu'on aura C'est été dans ça. une autre pièce, On va essayer avec la boule de. il va sonner. Avec la boule de golf. On ne sait jamais. Ou peut-être qu'il veut qu'il y ait personne dans la pièce. Vous voulez qu'on parte de la pièce? Allez-y, de toute façon on entendra le pod. Il n'y a pas de souci. Donc ici, il y a Alice, c'était sûrement Bah, peut-être. On a quoi? où les gens dormaient. Il y a une autre pièce. Enfin non, il y a un autre bâtiment à côté. Seulement, ça sera impossible d'y aller. C'est d'ailleurs dommage parce que C'est impossible. Marie a été À l'étage. à monter à l'étage, mais bon, le plancher est tout pourri et tout vermoulu. Donc voilà, on prend peut-être des risques en venant dans un lieu, mais pas des risques de passer à travers le plafond et de se retrouver 3 mètres plus bas, quoi. Ça, je veux bien tout ce qu'on veut, mais bon, voilà. Donc ici, il y a une boule de ping-pong. Voilà, je vous invite à la faire tomber. Il suffit juste de la pousser un petit peu et elle tombe. Juste pour nous prouver, nous montrer que vous êtes là. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites-la tomber. Ou alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez éteindre une bougie. La bougie qui se trouve juste à côté. D'ailleurs, on vous les laissera les bougies. Ouais. Ce sera un cadeau, même si vous ne le méritez pas. Le gourou, en tout cas, ne le mérite pas. Oui, le gourou, bien sûr. Cécile me dit, il rôde. Il rôde. Il rôde. Donc, il... Voilà. Pourriez-vous nous dire dans les caméras pourquoi vous retenez ici la jeune fille?
Qu'est-ce que la jeune fille vous a fait pour que vous la reteniez? Laissez-la partir. Si vous décidez de rester dans ces lieux, c'est votre problème. Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, comme je viens de dire, de la garder. Elle n'est pas à vous. Laissez-la partir vers la lumière. Faites du bruit dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour qu'on sache où vous êtes. Vous faites bouger la porte en face de moi. Vous tapez dans un meuble. Je me sens ici, là. Oui? Là. Cécile, tu sais me dire si j'ai raison ou pas. Je le sens là où je dirige la lampe de poche où j'éclaire le petit meuble. Ou Nat. Fermez le tiroir du bas. Si vous êtes là, tiens, la bougie là, elle est fermée, elle est finie ou ah, c'est ouais. elle s'éteint? Allez, monsieur le gourou, montrez-vous ou manifestez-vous. Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur de nous. Apparemment, après tout ce que vous avez fait, vous ne devriez pas avoir peur de nous. Et moi, je suis en train, je sens là que vous n'êtes pas loin de nous. Mais j'ai pas peur, hein. Vous n'y arriverez pas. Le mal que vous avez fait aux gens, vous n'arriverez pas à me le faire. Allez, faites un bruit. Ou fermez la porte qui se trouve en face de moi. Non, Manat, je n'ai rien touché. Le meuble était là. C'est comme ça quand on est arrivé. Quoi, il était fermé? Non, elle dit il était autre part quand on n'était pas Non. au milieu comme ça quand on est passé. Alors, on attend, hein? On a bien le temps, nous, hein?
C'est calme, c'est calme. Ouais, c'est calme. Moi, j'appelle ça du faux cul. C'est ça. Hein? Et si vous veniez, vous vous mettiez auparavant, quand vous faisiez vos prières et tout ce qui va avec, venez juste devant le pupitre. C'est calme de chez calme. Attends, c'est toujours le calme avant la tempête. Il est rassurant, vous voyez. Il s'amuse avec nous. Ah, tu t'amuses. Ben, on va s'amuser ensemble alors, non? Ben non, Céline, qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Si entité, qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Écoutez, vous voulez qu'on joue ensemble? Il n'y a pas de souci. Si maintenant je viendrais à décider à mettre le feu à votre maison, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je m'en fous. Moi, je ne vis pas ici, moi. Moi, je mets le feu, moi. Il n'y a pas de souci, hein? On vous demande pas grand-chose, hein, de vous manifester. Fermez le tiroir du fond. Montrez-nous votre présence, faites un bruit. Fermez la porte. Ou bougez la tenture qui est sur la porte. Cécile dit qu'il est là. Oui, ben vous êtes là, oui, mais allez-y. Allez, fermez le tiroir. C'est bien qu'il est là, moi aussi je suis là. Si vous êtes près de nous, essayez de faire un bruit, de faire tomber la barre qui est là-bas, ici. Encore une fois, je vous la montre. Là, il y a assez de matériel pour nous faire comprendre que vous êtes là. Il y a la cuisine où il y a une série de vaisselles. Il y a des bouteilles, il y a tout. Il y a les portes, il y a tout. Donc, je vous invite à nous faire entendre que vous êtes là. On ne vous veut pas de mal du tout, hein. Ben non, on ne vous veut pas du mal. Il se doute que mettre le feu ne mettra pas le feu. C'est ça. Mais par contre, il doit bien se douter qu'on n'a pas peur de lui du tout. Ben non. Et que ben on attend pour qu'il nous montre, enfin, ou du moins qu'il nous fasse entendre qu'il est là. Même si vous faites du bruit, ou vous qu'on entend vous taper, ou vous fermez une porte, ou vous tapez dans le mur, la seule chose qu'on aura, c'est des preuves que vous êtes là. Mais c'est pas pour ça qu'on partira, c'est pas pour ça qu'on aura peur de vous. Mais un fait certain, après, on va brûler de la sauge. Par contre, si vous ne voulez pas vous montrer ou faire savoir que vous êtes là, moi je voudrais savoir si la petite jeune fille est ici. Enfin, la jeune fille qui est très triste à cause de vous. J'aimerais savoir si elle est parmi nous ici. Donc, si tu m'entends, est-ce que tu pourrais, comme je le disais tout à l'heure, prendre n'importe quoi, le faire tomber, fermer une porte, faire n'importe quoi, du moins avec l'énergie que tu as. Et si tu n'en as pas assez, prends-en dans les batteries ou dans les lampes. Elles sont là pour ça.
Faut pas avoir peur du fameux gourou. Nous sommes là pour t'aider. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est l'avion qui a fait ce bruit-là, qui est en train de passer au-dessus ou pas. Parce qu'il y a le bruit de l'avion en même temps. N'aie pas peur. N'aie pas peur, on est là pour t'aider. Il ne saurait pas te faire du mal, on est là. Viens près de nous. Non, Céline, il ne touchera pas parce qu'on lui a interdit en début d'enquête, on lui a bien. On lui a répété d'autres. On leur a, pardon. On leur a répété 2 à 3 fois qu'on peut faire tout ce qu'ils veulent, toucher des objets, claquer des portes et tout ça, mais Qu'on était plus fort qu'eux. pas nous toucher. Ça, c'est hors de question. Prendre de l'énergie dans les batteries, ok, mais pas nous toucher. Ça, c'est clair et net. C'est chiant, il y a tout le temps, c'est chiant. Ben oui. Alors, Le prénom de la jeune fille, c'est Natacha. Natacha. Natacha, est-ce que tu es là? N'aie pas peur de nous, on est ici pour t'aider. Ne fais pas attention au gourou qui est près de toi. Fais-nous savoir que tu es là. Fais tomber quelque chose qui se trouve dans la cuisine ou peu importe dans l'endroit où tu te trouves. Fais me tomber la balle. Là, la petite balle ici. Là, tu vois? Fais-la tomber. Si tu es là. Si tu es là. Si tu es là. Si tu es là. Ça te prendra pas beaucoup d'énergie. Ou souffle sur la bougie qui se trouve à côté. Souffle dessus. Essaye de l'éteindre. Souffle dessus. Essaye de l'éteindre. Souffle dessus. Essaye de l'éteindre. Est-ce réellement des PVE ou alors le fruit de notre imagination qui nous joue des tours? C'est quand même étrange, à chaque fois qu'on pose des questions ou qu'on répond, on a une réponse. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Maintenant, si vous voulez qu'on parte, faites un bruit. En fait, ma Cécile, j'ai pas senti un souffle à côté de moi, j'ai senti quelqu'un qui chuchotait, en fait. Ou c'était trop un souffle et que j'ai pris ça pour un chuchotement. J'ai senti comme quand on murmure dans une oreille. Ou alors encore mieux, passe ta main au-dessus du détecteur, tu vois, il s'allumera. Quand il va s'éteindre. Voilà. Pose ta main au-dessus. Comment elle s'appelle? Natacha. Natacha.
Vas-y, Natacha. Passe ta main au-dessus. S'il te plaît. Comme ça, on aura la preuve que tu es là. N'aie pas peur, ce ne sont que des lampes avec un détecteur de mouvement. Ça ne te fera pas mal, c'est inoffensif. Vas-y. Je suis certaine de je sentirai le mot. Vous voulez qu'on parte? Faites un bruit. À la limite, qu'on fera la séance de Spirit Box, je déposerai la caméra sur le meuble Ouais. et on fera une séance de Spirit Ouais, Box. je pense qu'on aura plus de réponses à ce. Mais oui, si, je veux bien l'aider, mais le problème c'est qu'on l'a pas je ne sais pas où elle est. Natacha, tu peux venir près de moi? Tu m'as suivi toute l'après-midi? Je ne suis pas là pour te faire du mal. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre. Céline, en tout cas, dans mon ressenti, on ressent pour le moment Je vais prendre un dictaphone. c'est pas moi qui l'ai. Non, non, c'est moi qui l'ai. Voilà. Ce que je vais faire, je vais déposer ici un appareil. Voilà, un appareil. Ça s'appelle un dictaphone. Il y a qu'à, tu n'as qu'à t'en approcher et parler fort. Et on t'entendra quand on fera l'analyse. Donc je vais l'allumer et je vais le poser. Et n'aie pas peur, crie de toutes tes forces dans cet appareil. Et éventuellement, si on n'y arrive pas aujourd'hui, on reviendra. Voilà, je vais l'allumer. Qu'il y a le bouton. Attends, si tu... C'est pas facile, j'ai pas de lampe. Attends, Juste en dessous du. ah ouais. Bah, je vais allumer. Ah, voilà. Ça, je te tiens. Tu vois? Voilà. Natacha, tu es à côté de moi? Voilà. Il est allumé. Je vais le déposer ici. Voilà, vas-y. Parle. Si tu as plus facile de parler dans l'appareil, vas-y, Natacha. Vas-y, si tu veux, je reste là. Voilà. Comme apparemment tu m'as suivi toute l'après-midi, c'est que tu veux de l'aide et que tu as confiance en moi. Donc je vais rester près de toi. Et si tu as plus facile, eh ben, tu peux parler de l'appareil.
Tu dis ce que tu veux dans l'appareil ici, et on ne pourra l'écouter que quand on sera rentré. Et donc, si tu nous as laissé ou si tu m'as laissé un message personnel, on reviendra. Ben, il rôdait dans la pièce ici. Ouais, donc il est sorti de sa pièce alors. Je ne sais pas, aucune idée. Allez, monsieur le gourou, touchez l'antenne du pod. Vous mettez votre beau costume. Décrochez-le, mettez-le. Vous devriez être beau avec votre costume et votre cravate. Allez-y. Oui, je me sens très lourde. J'ai l'impression que pendant 2 heures, je la pèse 20 D'accord. kilos au poing. Elle s'accroche à moi. Fais un bruit, tape sur la porte. Si tu es là, Natacha. Ou alors touche le cintre qui se trouve au-dessus. Fais-le bouger. Comme ça. T'as vu comme ça? Fais bouger le cintre comme ça. C'est le gourou qui a pris son bras. Qui? Le gourou. Oui. C'est pour ça que j'ai mon bras lourd. Il touchait ton bras? Il a pris son bras. Ah. Alors qu'on lui a dit Ben oui. qu'on ne Ben. pouvait pas me toucher. C'est un méchant gourou, hein? Ben, c'est ça. Ben c'est pas pour ça qu'on a peur de lui. C'est ça. Donc voilà, tu peux t'accrocher à tout ce que tu veux. Ben, moi, il n'y a pas de souci, hein? Et moi j'ai mal un petit peu mon dos. Moi j'ai un petit peu mal mon dos, c'est peut-être du fait Oui, tu as de... le droit aussi. Et Natacha aussi. Natacha, si tu es là, fais tomber quelque chose ou ferme une porte ou peu importe ce que tu sais attraper. C'est déjà fait depuis, ça fait bien 2000 ans, c'est. Mais, voilà, ouais, 4 heures, je m'arrête à quoi. C'était qui t'a dit qu'il était derrière toi? Ouais. Et Natacha me tient le bras, me tenait le bras. Et moi, rien. Les amis, nous décidons donc d'arrêter cette séance de PVE, car vous avez pu le constater par vous-même, aucun phénomène de voix électronique. Nous continuons l'enquête.
C'est calme. Hein. Oh là là. Je m'embête. Je m'embête. Moi qui pensais que... Moi qui pensais que vous alliez vous manifester, que vous alliez nous faire peur. Ma Cécile, si je le disais tout haut, de vive voix, ça ne l'aiderait pas. Ça ne serait pas plus facile pour elle. Natacha, à partir de maintenant, tu ne dois écouter que ma voix. Si tu es près de moi, et apparemment tu as une grande confiance en moi parce que tu me poursuis depuis tout à l'heure, je vais te dire quelque chose qui va t'aider, mais il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, ça n'ira pas. Arrête de regarder au sol, par terre, vers le bas. Arrête de regarder vers le bas. Tu regardes tout en haut, vers le haut, vers la lumière. Regarde vers la lumière comme c'est beau. Regarde. Et tu suis la lumière. Et tu ne fais plus attention à personne de qui que ce soit qui est autour de toi. Tu écoutes que ma voix. Regarde en haut, tout au-dessus, vers la lumière. Parce que tout à l'heure, quand on allumera la Spirit Box, je veux que quand je poserai la question si tu es passé derrière la lumière, je veux ne rien entendre du tout. Donc ça voudra dire que tu seras passé au-delà et qu'à partir de là, tu ne sauras plus me répondre. Regarde vers la lumière, tu montes, lève la tête et tu regardes le ciel. Regarde la lumière tout en haut. Tu n'écoutes que ma voix. Tu n'écoutes personne d'autre. Ça va? Monsieur Gourou, vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne quitterai pas la maison tant que Natacha ne sera pas passée. De quoi? Ne regarde plus vers le haut, vers le... Regarde vers le haut. Tu ne fais plus partie de ce monde et personne ne peut te retenir. Vas-y, Natacha. Tu seras beaucoup mieux là-bas. Maintenant, j'espère que voilà, je vais continuer
à t'encourager, oh, je vais y arriver, à t'encourager mentalement, psychologiquement. Je vais le répéter plusieurs fois dans ma tête pour que tu puisses l'entendre, afin que quand on allumera Spirit Box. la Spirit Box, que tu puisses, que je puisse plutôt, excuse-moi, que je puisse savoir si tu es passé ou pas. Si je n'ai plus de réponse, c'est que tu y es passé. Et j'espère fort, sincèrement, ne plus avoir de réponse. Pas parce que je ne veux plus t'entendre, mais pour savoir si tu es mieux. Voilà les amis, je vais faire quelques photos. Sortir mon appareil. Je vais faire quelques photos. Attends, je vais faire vous avez autant de vous toi. Juste quand je sors ma cigarette. Petite photo. Oui, ma Cécile, je sors une personne qui a trois surtout du côté de mon bras où Natacha me tenait tout à l'heure. La totale aujourd'hui. Notre enquête avait vraiment un je crois que c'était du bruit en fait, mais non, c'est l'artifice. Marie, écoute. L'artifice. Ah oui, je croyais aussi, ça joue la chance. Ma face cam c'est arrêté. Allez. C'est. La face cam de notre collègue. Donc pour moi, le moment, c'est pas la machine de notre énergie pour pouvoir partir. Je suis vraiment contente que c'est fait. Voilà, je vous explique. La batterie de ma facecam HS. Normalement, je tiens plus d'une heure et demie avec. Fini. Et apparemment, la batterie de la caméra est à moitié. Pour économiser la batterie, je vais couper un petit peu, je vous prendrai après. Voilà les amis. Donc voilà, on essaie de faire passer la jeune fille dans la lumière. Apparemment, j'espère de tout cœur, de tout mon cœur. Que ça va marcher pour elle, qu'elle ne sera plus prisonnière de ce gourou, de ce gars qui se fait passer pour un gourou et qui n'ose même pas se manifester. C'est un moins que rien. Déjà de un. Et de deux, comme je vous ai dit auparavant, ma facecam, fini, plus de batterie. Mon caméscope, ici, je suis déjà à moitié de batterie. Et normalement, je tiens facilement 2 heures. Donc, j'espère que ça sera pour la bonne cause, que ce sont la jeune fille qui aurait pris l'énergie des batteries. Donc après, on va faire une séance de Spirit Box. Pour la séance de Spirit Box, j'ai pris la BSB11. On va la tester et
On verra bien. Vas-y, n'aie pas peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, d'ailleurs. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Les gens qui viennent te chercher sont des personnes gentilles. Avec qui tu vas être enfin heureuse. Ça sent obligé de souffler parce que sinon ça se coupe direct. Ah, c'est vrai, oui. Cassons. Elle s'éteint, si s'éteint, j'en ai encore. Oui. Sinon, toi, ça va? Oui, ça va. J'ai juste ressenti de la peine pendant quelques minutes. Mais ça va. Je me sens bien. Non, je me sens va. Même mieux, d'ailleurs. Ça va. C'est dingue. Ben oui, ben, c'est des ressentis, hein. C'est pas mon style, hein. En général, je ben non, non, ouais, je non, non, national, mais là, je peux pas nier les vidéos, donc, quand c'est là, c'est là. De toute façon, ça sert à rien de... Le vie ou le vie. Voilà. Non, tu as du fake. Non, nous, on ne fait pas dans le fake. D'ailleurs, tu peux voir, hein, dans les enquêtes qu'on a fait ensemble, jusque maintenant, on n'a pas eu de gros... On n'a pas, on a après, à part toi, hein, qu'on t'a touché les cheveux, voilà. Donc, le jour qu'on aura vraiment des phénomènes, qu'on filme, là. Allez, passez, ma Cécile. Comment elle s'appelle? C'est une médium, en fait. Si tu peux expliquer, qui est cette personne, sans rentrer dans les détails. Qui c'est? Oui. Elle doit rester discrète. Oh, mais que je dis, c'est une médium, quoi. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas qu'on le dise. Oh, mais... C'est là, elle va entendre que tu es. Ah. Elle aime bien d'être... de faire ça derrière. Je peux le dire, moi. Oui, toi, sur ton âge, tu peux le dire. Moi, je ne peux pas, parce que comme tu es. En fait, voilà, cette personne, que... Cette personne qui est donc en live avec Marie, c'est une dame qui est dans le paranormal depuis 20 ans. Donc, ça veut dire qu'elle ressent... Elle ressent, comment, tout ce qui est entité, voilà... Donc, cette personne-là est en train de nous aider à faire passer donc cette jeune fille dans la lumière pour qu'elle ait son âme en paix. Oui, non, je sais qu'il y a des gens qui sont au courant, c'est une vente, c'est pas ça le souci, mais c'est une bête discrète, donc elle n'aime pas spécialement qu'on dise en direct. C'est, je dirais pas l'autre, parce qu'elle a de l'avantage de me faire. J'ai dit que c'était une professionnelle. Bah, c'est vrai. Ben oui. C'est une professionnelle dans le domaine. Voilà. Bah, c'est normal que cette dame-là. C'est normal que cette dame-là préfère rester incognito. Voilà. Elle est partie avec sa maman. Tu vas me faire pleurer. Donc, bravo, ma Marie. Et tous ceux qui ont dit cette phrase, elle vous remercie. Elle est partie avec sa mère. Donc, tu peux confirmer? Je répète? Oui. Donc, Natacha est passée. Elle a pris le passage de la lumière et elle est allée rejoindre sa maman. Ben voilà. Et voilà, donc maintenant, elle est enfin heureuse. J'ai la chair de poule. Moi aussi, c'est un truc de malade. J'ai la chair de poule. Et donc, je suis super contente pour elle. Parce qu'elle était d'une tristesse abominable. Parce que
Je l'ai ressenti pendant quelques minutes et elle, dire qu'elle pensait qu'elle a ressenti ça pendant des années, c'est un truc de fou. Et voilà. Donc maintenant, monsieur le gourou est tout seul. Donc monsieur le gourou est tout seul. Donc à nous trois. Monsieur le gourou. Alors vous êtes content, monsieur le gourou? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, monsieur le gourou? Merci, ma Cécile. Ben écoute, il me reste une demi-batterie. On va faire une séance de spirit box pour voir ce que monsieur le gourou en pense. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis partante. Le jeu de... Qu'est-ce que t'en penses? On en fait une. Eh ben, c'est parti, mon kiki. On va... Je vais déposer la caméra là-bas. On va la faire ici, non? Oui. Voilà, on va faire une séance de Spirit Box. Voilà. Voilà, on va faire une petite séance de Spirit Box. Voilà. Donc là, la BSB11. Ça filme. Alors, le réglage. Ça, c'est pas chaud. Oui, ma Matt, ça c'est sûr. Si je pouvais d'ailleurs. Et en bas, on n'entend rien non plus. On a vu en bas, donc, il est tombé. Va te coucher maintenant, à Cécile. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là, monsieur le gourou? Est-ce que vous êtes là, monsieur le gourou? Vous ne dites rien? Parce que les bouquets qui sont passés dans la lumière aussi, là. Non, mais non. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes un homme?
Est-ce que ça vous fait quelque chose maintenant que celle que vous retenez est passée dans la lumière? Ouais, c'est un avion. Vous ne dites rien, monsieur le gourou. C'est vous qui avez fait un bruit? Refaites-le, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Venez discuter avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous? Pourquoi vous ne dites rien? Pouvez-vous refaire un bruit, s'il vous plaît? C'est fou, hein? Rien du tout. Demande à plus. J'ai déjà demandé s'il y avait une femme. Oui, est-ce qu'il y a encore une femme ici, s'il vous plaît? Natacha, est-ce que tu es encore parmi nous? Quelqu'un dehors dit que... Le gourou, ça va, Cécile. Est-ce que vous êtes à l'extérieur de la maison? Oui.
Si vous voulez, on ouvre la porte pour que vous puissiez rentrer, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, nous, il n'y a pas de problème, hein. Généralement, quand quelqu'un utilise une spirit box chez vous, vous êtes grossier avec ces personnes. Donc, Encore deux parties. Ah non, ça va, j'ai une trouble de personne. vous pourriez être, si vous voulez, grossier avec nous. Pourquoi pas? Mais la famille publique demande s'il y a une valérie. La valérie. Une quoi? C'est une femme qui s'appelle Valérie. Avec lui? Non, tu dois demander s'il y a une femme qui s'appelle ici, qui Ah, s'appelle ok. Valérie. Est-ce qu'il y a dans ces lieux une femme qui s'appelle Valérie? Avec les bruits aujourd'hui à l'extérieur. Et demain, il vous donne un ordre en disant comme partez. Que si c'est la même. Mais dis-nous dans la spirit box si tu veux qu'on parte. Il a dit. Est-ce que tu pourrais répéter? Est-ce qu'on doit partir? C'est la vie qui dit qu'on parte. C'est lui qui dit qu'on parte? Ben dis-nous dans la spirit box si tu veux qu'on parte. Est-ce que c'est toi qui as dit dans l'au-delà? T'as vu, on dirait des griffures ou quoi dans le coin du mur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici, s'il vous plaît? Partir dans l'au-delà. C'est ce qu'elle a entendu? C'est ce que tu as entendu là, Cécile. Donc j'ai bien entendu Vous dans avez l'au-delà. entendu, mon ami. Qui veut partir dans l'au-delà? Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Cécile nous dit de partir. Ouais. Ouais.
Eh ben, les amis, on va quitter tout doucement et voilà. On aura quand même fait partir quelqu'un. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao. On fera un petit débrief de la camionnette ensemble. À tout à l'heure. Voilà les amis, comme j'ai dit avant de partir, voilà, on va faire un petit débrief ensemble. Donc voilà, je suis désolé, on a dû partir sur on va vous expliquer. Donc en Vas-y. fait, on a dû partir précipitamment pour la simple et bonne raison que dans mon équipe, j'ai Une une professionnelle professionnelle, on cherche une du compète, paranormal. du paranormal, qui nous a demandé de partir tout de suite, sinon il pouvait nous arriver quelque chose assez conséquent. Donc on a dû réemballer tout ce qu'on avait de matériel avec nous. Et on a dû précipitamment partir. Parce que franchement, c'est devenu très dangereux là-bas. Il y a au lieu d'avoir une mauvaise entité, maintenant il y en a une deuxième qui s'est rajoutée. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'ai pas dit qu'on allait mourir ou quoi que ce soit, mais il pouvait nous arriver à un truc physique. Donc voilà. Nous sommes passionnés de paranormal, mais comme tout, il y a des limites. Donc apparemment, si une entité négative n'arrive pas Ce qu'elle veut. à ce qu'elle veut, elle peut demander de l'aide, en gros. Donc à ce moment-là, la deuxième entité, c'est une entité qui était négative, également négative. On aurait pu avoir des soucis. Voilà. En fait, le groupe a fait appel à un autre homme qui faisait partie de la secte aussi, mais qui était moins fort que lui, mais qui était là. Donc il est venu le rejoindre pour nous faire du mal. Donc on nous a demandé et on a même insisté, parce que moi je fais des directs. Donc en direct, on a même insisté en disant partez tout de suite, il faut absolument partir maintenant. Donc voilà. D'ailleurs, j'espère que pour nos enquêtes futures, que la dame sera toujours là avec nous Ouais, j'espère. pour nous Il n'y a pas de soutenir. souci. Donc voilà, moi, question ressentie, à part des frissons. Bon, maintenant, est-ce que c'est des frissons parce qu'il faisait froid? Parce que il a fait froid. Ou alors, est-ce que c'est des frissons parce qu'il y avait une entité tout près de moi? On C'est sait à pas, ouais. voir, on ne sait pas. Par contre, elle a eu des ressentis. Aujourd'hui, oui, des ressentis, pardon, très profonds. Je n'y croyais pas du tout. Donc, je peux dire ce que j'ai fait. Ouais, vas-y. En fait, donc, dans la secte, dans la maison, il se trouvait une jeune fille de 19 ans, qui s'appelait Natacha. Le gourou l'empêchait de passer, de partir vers la lumière et d'enfin pouvoir se reposer. Donc avec l'aide de mon amie qui est une professionnelle dans le paranormal, nous avons aidé cette jeune fille à passer vers la lumière. Et nous avons eu confirmation par deux fois qu'elle est bel et bien passée derrière la lumière. Et pendant qu'elle se trouvait à mes côtés, pendant que je l'aidais à passer vers la lumière, j'ai ressenti ses émotions. C'est-à-dire que j'ai eu envie de pleurer. D'ailleurs, j'en ai eu des larmes aux yeux. Ouais, j'ai vu que t'avais les larmes aux Ouais. yeux. Donc c'était une jeune fille qui souffrait beaucoup. Donc j'ai ressenti vraiment sa peine. Mais c'était des larmes de joie quand elle est passée. Et quand elle est passée, j'ai eu des larmes de joie et je me suis sentie beaucoup mieux, soulagée et envie de rigoler. Donc voilà. Je suis fière de moi, mais avec l'aide d'une professionnelle, une fois que je remercie une Et fois, c'est alors et voilà. après que quand le gourou, donc l'entité démoniaque, enfin pas La l'entité mèche négative, négative, voilà. a vu que l'entité positive, donc la fille qui s'appelait Natacha. Natacha, est passée dans la lumière. C'est à ce moment-là qu'il a fait appel à une deuxième mauvaise entité pour essayer de Faire du mal. nous faire du mal. Donc nous avons dû
partir. Et pourtant, Fifi a essayé de le provoquer. Ouais, avec là, j'ai été agressif. Hein. Là, j'ai été agressif, ouais. Mais quelque chose. Ouais. Dans le respect, mais ici, toujours, mais il n'y a pas eu de je n'ai pas, je n'ai pas soit, maltraité, rien du tout. Même dans la spirit box, on a eu quelques mots. Bon, maintenant, faut voir dans quand je vais faire mes dérochers pour voir ce qu'il y a eu. Mais je ne pense pas qu'il y a grand chose. C'était un calme plat. Comparé à quand les autres enquêteurs sont venus sur place, eux ils ont eu des grossièretés, oui, hein. Ils ont eu des grossièretés, hein, des râles, des tout. Frissures, des râles, un grognement. Voilà. Il y en a qui s'est fait griffer. Donc nous, que dalle. Donc voilà. Enfin voilà, en gros, voilà, maintenant on va retourner tout doucement. Ça a été une enquête, une belle petite enquête. Oui. En émotion, on s'était chargé. Ce qui compte, c'est qu'on n'a pas eu de graves problèmes. Voilà, c'est ça. Hein, on a purifié la maison, ouais, à la sauge. On a d'ailleurs laissé un brin de sauge là-bas. Ouais. On a laissé les bougies. Donc voilà quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà. Principalement, en toute logique, il ne devrait rester que ces deux mauvaises entités-là. Apparemment, il y aurait une autre femme. Mais on n'a pas réussi à communiquer avec elle. Maintenant, est-ce qu'elle a réussi à passer vers la numéro 6, il faut voir. Elle n'est pas certaine. Ouais. Voilà, elle peut être passée. Mais en tout cas, les deux mauvaises entités sont là. Voilà. Elles sont pas d'accord. Donc voilà, si vous réussissez à avoir l'adresse de ce lieu, faites très attention à vous, soyez protégés, surtout protégés. Si vous n'avez pas quelqu'un derrière vous pour vous dire maintenant partez, les amis, faites très attention à vous. On ne voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose ou qu'on apprenne, voilà, par un média qui a eu un problème à cette maison-là. Donc voilà. En gros, et j'espère que cette enquête vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook. Facebook, moi c'est EUMY, c'est E-U-M-Y. Je vous mettrai en dessous dans la description, exactement. Je vous mettrai le lien. Comme ça, voilà quoi. Eh ben les amis, encore un tout grand merci à vous. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle enquête. Ce mois-ci, ce sera peut-être encore un live. Si. Sinon, ce sera pour le mois prochain. Prochain. Il y aura des lives, 3-4 lives par mois, plus une enquête par mois. Eh bien, les amis, je vous dis au revoir, ciao, ciao, à la prochaine.